Bienvenue sur la Frogette TV. Ici Hugo, donc ça fait longtemps que qu'on s'est pas vu, puisque ça va bientôt faire 15 jours, je crois. Combien de temps ça fait depuis la fin de TI? Oh non, pas tant que ça, j'exagère. Quoique si, presque, hein, ça a fini quand? Mais si, c'est ça, ça fait 15 jours. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hugo, je suis actuellement le meilleur joueur du monde. Et donc aujourd'hui, on va faire un petit stream ensemble qui va avoir pour but de poser les bases. Globalement, ça fait très longtemps qu'on stream sur la Frogette TV, beaucoup de Dota 2. Alors évidemment, il y a plein de nouveaux joueurs. Comme vous pouvez voir, ce mois-ci, il y a eu 6 500 000 joueurs uniques sur Dota. Ça veut dire plein de personnes nouvelles, puisque le mois dernier, il me semble qu'on était à 3 millions. Donc évidemment, il y a toutes les personnes qui se sont connectées sur le jeu juste pour regarder TI. Mais il y a aussi des personnes qui vont rester. Et donc on espère des Français. Et donc le but, c'est, je vais essayer de vous faire un peu découvrir l'univers de Dota 2, de sorte à ce que vous ne soyez pas trop perdus. Parce que Dota, c'est un jeu compliqué. On vous l'a déjà dit, répété, tout le monde dit ouais, Dota c'est bien parce que c'est compliqué. C'est vrai, n'empêche que c'est pas forcément facile à aborder du premier abord, quand on connaît pas, quand on connaît personne, qu'on a personne pour nous initier, c'est pas forcément facile de se lancer dans le bain. Et surtout, s'amuser, peut-être en étant seul, sans connaître trop de gens. Ça tombe bien, parce que personnellement, je suis un forever alone. Et moi, je prends beaucoup de plaisir sur Dota 2 tout seul. Donc je vais essayer de vous transmettre un peu tout ça. Le délire, c'est que, a priori, j'ai réussi à mettre des settings plus ou moins corrects sur mon stream, de sorte à ce que vous puissiez voir ce qui se passe de manière correcte, et que je puisse avoir une VOD, et que je puisse jouer de manière correcte, ce qui est plutôt pratique. Du coup, on va essayer d'avoir l'essentiel de nos VOD, de mes VOD en tout cas, qui vont être mis sur YouTube pour que vous puissiez avoir un suivi plus ou moins décent de l'histoire, et que vous suiviez un peu tout ça. Qui ne me connaît pas, toutes les personnes qui débarquent, j'imagine.
Donc, je vais essayer de pas trop m'éparpiller pendant le début de cette émission. Le délire, c'est qu'on est ensemble jusqu'à 21h ou 22h, suivant si on décide d'aller suivre Baguette tout à l'heure ou pas, puisque Baguette joue contre Druids tout à l'heure dans un truc de Starladder que j'ai pas trop bien compris ce que c'était, et que Luciano était chaud pour aller voir la game, donc on va peut-être essayer d'aller faire ça tout à l'heure. Ça, c'est à 21h. Ils viennent de battre d'ailleurs l'équipe russe The Retry. Bravo à eux, bravo à Marsu pour son abandon qui a sacrément carry la game. Mais ceci est une autre histoire. Donc la question c'est comment est-ce qu'une personne qui débute va pouvoir bien se lancer sur Dota 2? Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour voir tout ça? J'ai plein de petits trucs à vous dire, histoire que globalement vous puissiez commencer le jeu de manière correcte. Et c'est des choses qui... Moi j'ai été super étonné de voir qu'il y a plein de gens, mais des gens qui jouent à Dota depuis longtemps, hein, mais qui... Ils se facilitent pas les choses, quoi. Ils ont des hotkeys complètement pourris, ils ont des settings complètement nuls, ils ont rien qui les aide en fait à bien rentrer dans le jeu, même si c'est des joueurs qui jouent régulièrement, qui jouent depuis... Quand je dis longtemps, je vais pas dire des joueurs qui jouent depuis 10 ans ou ce genre de choses, mais des joueurs qui jouent depuis un an peut-être à Dota 2, bah ils ont pas encore trouvé ces petites techniques donc qui sont bah, qui aide finalement à pas avoir de lag en jeu, de pas avoir un jeu fluide, à avoir plein de petites choses qui peuvent vous aider. Donc on va peut-être tout simplement commencer par là. Non, tiens, ah, tiens, je m'étais préparé un petit post-it. Alors je vais suivre mon petit post-it. Donc mon petit post-it, il me dit d'abord tu dois te présenter. Donc, ah oui, c'est ça. La chose que vous devez avoir en tête, pour ceux qui débarquent et qui débutent, c'est que... Je suis un joueur donc assez ancien de Dota et je vais vous demander une chose, ça va être juste de me faire confiance. Je ne suis pas un charlatan. Il y a plein de gens qui se baladent en ce moment sur Dota et qui vous expliquent qu'ils savent jouer ou qui connaissent le jeu. Certains mentent, certains ne mentent pas. Moi, je fais partie des gens qui ne mentent pas et donc voilà, je connais très bien ce jeu. Je vais pouvoir vous donner des conseils qui seront utiles, même si certains vous semblent un peu débiles, même si parfois j'aurais peut-être tort. Moi, je vais juste vous demander de me faire confiance et vous verrez, normalement, tout le monde sera gagnant à la sortie. Donc ça c'était mon premier point. Hop, je vais maintenant le delete de mon post-it. Le deuxième point, c'est donc les bases à connaître sur Dota. C'est-à-dire que Dota est un jeu qui est en soi super complexe. Il y a plein de trucs à connaître pour comprendre le jeu, la façon dont une partie évolue, et savoir qu'est-ce que vous devez faire à quel moment. Mais tout ça, vous allez apprendre en jouant, et chacun finalement a sa vision un peu différente du jeu. Donc nous, ce qu'on va aller voir très rapidement, c'est donc à quoi ressemble une pub de base sur Dota. Ça sera pas vrai à votre niveau au début, mais ça le deviendra plus vous augmenterez dans les niveaux, plus ça sera vrai. Donc vous avez forcément déjà entendu parler. Vous avez déjà forcément entendu parler des assez anciens. Et ça fait mine de rien, mon petit JVP Teds, je crois que ça va faire bientôt 10 ans que je joue à Dota. J'ai pas les dates en tête parce que je suis pas très 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 calé, mais non, 10 ans ça me paraît beaucoup parce que j'ai 23 ans, donc ça me ferait commencer à 13 ans, ce qui est jeune. Mais ça doit faire 7 ans que je joue à Dota. Alors j'ai mis du temps, hein. Moi j'ai mis du temps avant de savoir comprendre comment le jeu marchait. J'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup feed, mais maintenant ça va, je me débrouille pas trop mal, je suis content et je m'amuse. C'est ça le plus important. Le plus important c'est de vous amuser sur Dota. Nous disions donc, on va essayer de voir un peu. Pourquoi est-ce qu'on parle de position 1, 2, 3, 4, 5 sur Dota et à quoi correspondent ces positions dans une game de pub? Alors je vous ai préparé des petites scènes. La première scène que je vous ai préparée, c'est... Oh, ma scène qui marche pas. Merde. Alors attendez. Oh putain. Si je fais ça, est-ce qu'elle marche ma scène? Ah non, j'ai préparé une super scène. Parce que vous voyez apparaître ma souris quand même à un endroit. Je suis un peu triste, je te dis. Donc, c'est pas grave, c'est mon premier fail de la soirée. Hop. On va mettre ça comme ça. Est-ce que là vous voyez quelque chose? Non, toujours pas. Et si je fais ça? Voilà. C'est une petite scène avec la minimap que nous allons découper de manière tranquille. Hop. Bon, c'est triste, j'avais préparé tout ça à l'avance pour rien. Mais c'est pas grave. Hop, toc toc toc, on va enlever le haut, on va enlever le bas, on va enlever la gauche. C'est la droite. Et enlever la gauche. Voilà. Hop, et donc normalement, là, je peux dessiner et vous voyez ce que je dessine. Si je dessine un petit trait, on va dessiner en rouge. Si je dessine un trait comme ça, est-ce que vous voyez mon trait comme ça? La réponse est oui. Victoire.
Donc on va s'intéresser un peu à cette carte. On va se mettre dans l'idée que nous sommes les Radiants. Donc les Radiants, c'est les gens qui contrôlent le bas de cette carte, dont la base se trouve donc ici. Donc nos amis Radiants, comme vous pouvez le voir sur cette carte, la carte n'est pas symétrique. D'accord? Cette ligne-là, qui est en bas, hop, elle est beaucoup plus longue, on va dire, jusqu'à la rivière, hop, comme ça. Toute cette distance-là est beaucoup plus longue que cette distance jusqu'ici. Est-ce que là-dessus nous sommes d'accord? Vraiment, si je prends cette distance-là et que je la mets en bas, hop, j'arrive à peu près ici. Donc, si je fais quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que on parle de safe lane et de hard lane. Alors, je vais commencer à hop, mettre des premières annotations. Hop, on va mettre un petit texte ici. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler la hard lane ou la off lane. Je suis certain spécialiste. Hop, on va la mettre là. En bas, on a donc la safe lane. Comme vous vous en doutez, on a donc des bois. Cette zone-là, c'est les bois. On va mettre un petit truc genre ici. On va appeler les bois. Et enfin, on a le mid. Jusque-là, on est d'accord. Donc il y a autant de creeps qui partent en haut que de creeps qui partent mid, que de creeps qui partent en bas. Le délire, c'est que comme la... Attends, hop, j'ai passé en orange. Non, j'ai passé en gris foncé. Comme la map... Merde, non, c'est pas ça que je veux faire. Redevient rouge, mid. Il veut plus. On va l'enlever alors. Hop, t'en as dit que c'était rouge. Voilà, maintenant je change. Et maintenant je dessine en gris foncé. Hop, ça c'est du gris foncé. C'est nul gris foncé. On va plutôt mettre du vert. Comme la map n'est pas symétrique, on a donc. Alors tiens, les tours ne sont pas dessinées. Donc la tour, on a une tour T1 ici. Hop, une tour T1 ici. Et une tour T1 ici. Donc le délire, c'est que de base, les creeps, ils vont se rencontrer ici. Là, dans la rivière. Exactement au milieu pour le coup. Et ici. Donc vous imaginez bien que si vous êtes un petit bonhomme qui se balade, hop, on va mettre un petit point ici. Hop, je suis un petit bonhomme qui se balade ici. Le problème, c'est que si un ennemi décide de faire comme ça, il peut me tomber dessus. Si un ennemi décide de faire comme ça, hop, il peut me tomber dessus. Si un ennemi décide de faire comme ça, hop, il peut me tomber dessus. Et si un ennemi décide de faire comme ça, ou comme ça, il peut me tomber dessus. Donc globalement, dès que vous avez dépassé cette ligne en hard lane, vous êtes en danger, puisqu'il y a des gens qui peuvent vous arriver par derrière, vous ne les voyez pas venir d'ailleurs, et c'est dangereux pour vous, puisque vous pouvez vous retrouver en situation où vous êtes en infériorité numérique. Jusque-là, on est d'accord? Jusque-là, on est d'accord. C'est pour ça que cette ligne en haut va s'appeler la hard lane. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus... En quoi la safe lane est plus safe? C'est simple. Si les creeps se retrouvent ici, moi de base, je vais donc être là, pour farmer ma vague de creeps. Et donc là, comment est-ce qu'on peut faire pour me gank? Pour me passer par derrière, on est obligé de passer par ici. Donc par derrière, là, et se prendre des coups de tour. Ou passer par là. Et donc là, on arrive par les creeps. Et donc j'ai la vision avec mon héros. Je peux me réfugier sous ma tour de manière très facile. L'autre chose dont on n'a pas spécialement parlé, c'est le pool. Hop, du coup, j'ai rajouté un petit texte ici. Ça, c'est le pool. Le délire, c'est que vous vous en doutez bien, les creeps, ils sont mignons. Même si à la minute zéro, ils se rencontrent à un endroit. Ils vont pas rester à cet endroit-là toute la game. Il y a des moments où ils vont avancer, des moments où ils vont reculer, mais s'ils se reculent ici, ils vont être repoussés par la tour, donc ils vont réavancer. Et donc globalement, l'équipe de la ligne peut se déplacer là, 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 à plein d'endroits, et même jusque devant la tour adverse. Et vous doutez bien que si la vague de creep est ici, je peux me faire gank par là ou par là. Et donc, bah, ma safe lane n'est plus safe. Ça tombe bien. Hop. Puisqu'il y a quelque chose qui s'appelle le pool. C'est-à-dire qu'ici, là, à cet endroit ici, on a un camp de creeps neutraux. Donc des creeps voilà, qui n'appartiennent à aucune équipe. Et en fait, il y a quelque chose de très facile. On peut ramener ces creeps-là ici. Au moment où la vague de creeps arrive là, du coup, la vague de creeps qui est ici va venir sur le dessus, hop, faire la bagarre là-haut. Elle va se faire tuer par la vague de creeps, par le camp des neutrons. Et du coup, c'est une vague de creeps entière qui va disparaître. Et le temps que bah, cette vague meure là, que la vague équivalente meure en face, les deux vagues suivantes vont de nouveau se retrouver à cet endroit-là, au point d'équilibre. Donc la safe lane est safe, puisque de base, vous êtes tranquille sous la tour pour farm. Et si jamais vous êtes dans la merde, un simple pull
vous permet de remettre l'équilibre à zéro. Alors le pool c'est très compliqué, il y a plein de dynamiques de pool. Si vous faites un simple pool, si vous faites doubler d'abord le camp pour ensuite faire un pool, il va se passer des choses différentes que si vous faites juste le pool avec un seul camp. Si vous auto-attaquez ou si vous n'auto-attaquez pas, si vous deniez ou si vous ne deniez pas, il va se passer plein de choses différentes, mais ça, c'est une autre histoire. On verra ça plus tard, et peut-être un autre, probablement même d'ailleurs, un autre jour. Donc, tout ça pour dire qu'on a compris que on avait une hard lane qui était dangereuse. On va mettre un panneau, attention. On a un mid qui a priori est équilibré. Les creeps se rencontrent au même endroit. Donc il n'y a pas de différence entre les deux équipes. Sauf que là on est proche de la hard lane. Donc cette rune qui va être top est dure à check. Alors que la rune qui est en bas ici est facile à check puisqu'a priori elle est proche de ma safe lane que je contrôle. Mais bon. Ça, c'est pas très important. Donc, on a un mid qui est équilibré, une hard lane qui est plus ou moins perdue d'avance, ou du moins dure à gérer, des bois qui sont très 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 bien protégés, puisque pour rentrer par les bois, soit vous passez par le mid, et là vous êtes vu par cette tour-là, soit vous rentrez par ici, et c'est possible, soit vous rentrez par là, hop, soit par cet escalier-là, soit par cet escalier-là, mais pour cela, il suffit juste de mettre une petite ward ici, et vous allez avoir la vision sur toute cette zone-là. Donc vous voyez les gens qui rentrent dans les bois. Donc globalement, on considère plus ou moins que vous pouvez contrôler tous vos bois juste en mettant une ward là. Ça n'est pas vrai pour cette entrée-là, mais c'est vrai pour l'ensemble. On verra d'ailleurs beaucoup d'équipes qui, en compétitif, mettent leur première ward ici et leur deuxième ward là. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir tous vos bois qui sont bien protégés dès le début de la partie. Mais ceci est une autre histoire. Donc, on a une hard lane qui est dangereuse, un mid qui est équilibré. Une zone des bois qui est très bien protégée, et une safe lane qui a priori est l'endroit le plus safe de la carte pour quelqu'un pour farmer. Donc ce qu'on va décider de faire, c'est qu'on va mettre un carry sur la safe lane, donc on va mettre hop, position 1. Position 1, c'est-à-dire que c'est lui qui va requérir le plus de farm de son équipe, c'est lui qui va farmer le plus dans sa team. Donc lui, il va être en bas pour pouvoir farm un maximum. À côté de lui, on va mettre la personne qui a le moins besoin de farm, donc le support, le position 5. Donc lui, il va servir à protéger la position, c'est-à-dire lui enlever toute menace, qu'il soit bien tranquille. Et comme généralement ça va être assez facile pour lui, il va aussi s'occuper de gérer l'équilibre de la ligne. C'est-à-dire que si la ligne push, et ben c'est lui qui va devoir s'occuper de faire un pull et à gérer ses pulls, puisque vous pouvez envoyer les creeps ensuite ici ou là de manière assez facile, pour gérer l'équilibre de tout ça et gérer la personne qui sera ici en hard lane pour elle. Et donc lui rendre la partie la plus compliquée possible. Hop, on va enlever toutes ces petites flèches que j'avais fait. Jusqu'à là, on est d'accord. Je vais taper sur le chat voir s'il y a des questions. A priori, pour l'instant, rien de spécial, c'est parfait. Magie du contrôle Z, tout à fait. Ensuite, tous ces bois qui sont safe, on va généralement y mettre une personne dans les bois. On va appeler ça un jungler, vous appelez ça comme vous voulez. En compétitif, c'est le position 4 qui s'occupe de tout ça. En pub, c'est beaucoup moins le cas. En pub, c'est plus une sorte de semi-carry, on pourrait même le mettre presque position 2, cette personne qui est dans les bois. Mais ça dépend, ça c'est quelque chose d'assez variable. On va toujours le garder position 4 pour que ce soit plus ou moins clair. Bref, lui, il s'occupe de gérer tout ça. Oh tiens, je vais faire ça, c'est super malin, tiens, ce que je viens de faire. On va faire donc le 4, hop, lui, il gère donc cette zone-là. Hop, voilà. Le 5, on a dit qu'il s'occupait des pools, donc généralement il va faire les deux camps ici. Et s'occuper du offlaner. Le position 1, lui, s'occupe de tout ce qui est farm ici. Ah non, il est nul mon cercle, il faut que je prenne le 1 avec, sinon ça marche pas. On va faire comme ça. Hop. Ensuite, on a le position 2 au mid. Donc, à savoir qu'en pub, comparé au compétitif, la personne qui est mid, c'est la personne qui va le plus bouger. C'est la personne qui va être haut en level, et comme on est dans une partie qui sont généralement mal organisées, il n'y a pas beaucoup de vision, il n'y a pas des équipes qui se protègent bien, donc le mid il a beaucoup d'opportunités pour aller tuer des gens. Il a accès aux runes, etc. Donc lui, son job, c'est de contrôler les runes, hop, on va faire un truc comme ça, les runes, et sa ligne au mid. Et généralement, on va plutôt mettre des gankers au mid la plupart du temps. Parce que c'est quelqu'un qui, quand il sera level 7, va pouvoir tuer des gens. On va dire qu'on va présenter les choses comme ça. Et enfin, notre offlaner, j'ai déjà fait un rond qui est tout moche, que je ne peux plus effacer. Mais c'est pas grave. Lui, son job, c'est surtout de prendre de l'XP, de survivre un maximum.
C'est tout. Donc lui en compétitif, c'est ce qu'on appelle l'opposition 3, un héros utilitaire qui a besoin de pas mal d'XP, pas beaucoup de stuff, généralement. Mais bon, en disant qu'on pourrait changer l'opposition 3 et l'opposition 4 en partie publique. Bon, alors moi ce que je vais faire, c'est que rapidement, je vais vous montrer ce que ça veut dire l'histoire des poules. On va créer une partie très vite. Voilà. Hop. J'ai pas mis les cheats. Oh, zut. Oh si, j'étais trop rapide, putain, trop chaud. Hop. Alors attends, il faut que je change de scène aussi. Sinon je vais me faire engueuler. Hop, ça marche. Allez, ça marche parfaitement. Attends, merde, pourquoi il me trouve pas de serveur là? Qu'est-ce qui se passe, Dota? Zut, zut, zut. Alors attendez, je vais tester un petit truc. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Donc ça fonctionne, vous voyez la bonne chose, vous voyez la bonne chose. Hop, on va prendre un puck, tiens, comme ça je vais pouvoir garder mon héros pour la suite de la partie. Ça, c'est intelligent. Alors, hop, on va se donner un peu d'argent. Hop, de quoi s'acheter. Des travelling d'ailleurs. Voilà. Et on va se mettre. Voilà, alors n'essayez pas de faire. C'est comme en partie publique, ça ne fonctionne pas. C'est juste des parties pour tester les choses. Voilà. Hop. Et donc on va faire commencer la partie. Donc, on va voir comme ce que je vous disais, c'est que donc ces creeps qui sortent là vont rencontrer mes adversaires à cet endroit-là. Ici, là. Hop, je peux pas dessiner ici, mais je peux dessiner comme ça. Hop, donc je ne les bloque pas. Sachant que si vous bloquez les creeps, ils vont se retrouver ensuite sous votre tour qui va les attaquer. Et donc ça va repousser les creeps de la ligne vers là, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Donc vous voyez que les creeps de base vont se rencontrer effectivement ici. Donc moi en restant là, si quelqu'un veut venir me tuer ici, il faut qu'il passe soit en mangeant des arbres par ici, soit en passant par derrière la tour. Bref, c'est super compliqué pour lui. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, hop, on va s'occuper de push un peu la ligne. Zut, la ligne push. Hop, qu'est-ce que je peux faire quand la ligne push? Hop, je vais faire un petit pull, c'est-à-dire que j'attaque les creeps au moment opportun. Voilà, de manière à ce qu'ils aillent rencontrer la vague de creeps qui se trompe juste sur le côté. Voilà, hop, on va laisser les creeps mourir. Hop, voilà, avec ma caméra au bon endroit pour pouvoir deny. Donc vous voyez que pendant ce temps-là, il y a une vague de creeps qui va être l'équivalente de celle que j'ai envoyée sur la tour qui arrive à ma tour. Qui va donc s'écraser contre la tour où mon éventuel carry pourrait farm. Hop. On va tuer ce petit creep. Voilà. Et vous voyez que maintenant, l'équilibre est rétabli maintenant à cet endroit-là. Donc c'est ce que je vous expliquais au début. Ça c'est cool, c'est pratique. Voilà. Bon, qu'est-ce que je devais vous expliquer d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si, il faut que je vous explique quand même que en haut, le mécanisme est beaucoup plus facile. Ça c'est un peu tricky. Mais le mécanisme est beaucoup plus facile puisque vous pouvez pull cette vague de creep à cet endroit-là. Très facilement. Et cette vague de creep à cet endroit-là. Très facilement. Donc il y a deux poules disponibles en d'ailleurs, qui ne sont pas disponibles en radiant. Donc c'est beaucoup plus facile. Voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Ensuite, attendez, je vais d'abord taper sur le chat voir s'il y a des questions. J'ai gagné un sgeg daltonien, tout à fait. On a eu une personne qui nous a expliqué que il fallait qu'on fasse des streams pour les daltoniens. Donc je suis passé en mode daltonien. Moi je trouve ça trop cool d'avoir un stream daltonien. Mais on y reviendra plus tard. Alors, je reviens sur mon petit post-it. Ce qu'il me disait, il fallait que je vous explique les positions 1, 2, 3, 4, 5. On est bien, a priori? On est bien? Allez, moi je trouve qu'on est pas mal. Hop. Parce qu'une fois que vous avez compris un peu tout ça, vous savez déjà plus ou moins ce que vous devez faire sur votre phase de ligne, quel genre de héros vous devez pick, si vous avez plus ou moins une idée. Ça vous permet de bien commencer votre partie.
On peut voir le deuxième pack de poules côté radiant. Oui, Crayo, on peut le voir, je vais te montrer ça tout de suite. Alors il est... Ah non, le deuxième côté radiant, il n'y en a pas d'un deuxième côté radiant. Il y en a deux côtés d'ailleurs et un seul côté... radiant. Hop, le délire avec le pool d'en haut là. Hop, je vais revenir ici. Indeed. On a fini tout ça. Donc ce camp là en fait peut être amené soit par les radiants ici, soit par les d'ailleurs ici. Donc les d'ailleurs ils vont avoir leur vague de creep qui va arriver par le haut comme ça. Et ensuite ça va les faire venir ici. Et les radiants, eux, ils peuvent détourner leur vague là-dedans. Donc ce qui est tricky, c'est qu'il faut manger absolument un arbre ici. Ensuite, vous prenez l'aggro ici, je suis à peu près dans les bons timings. C'est entre 45 et 47, grosso modo. Hop, là mes creeps voient les centaures. Et voilà, hop, j'ai aggro les trucs. Alors ça, c'est un tip qui est super, super, super pratique quand vous êtes un offlaner en radiant. C'est-à-dire que si vous voyez que les supports adverses sont ici en train de faire le pool, hop, vous pouvez très facilement aller détourner votre vague ici. Alors vous n'êtes pas là pour les farmer, ces creeps-là. Vous êtes là pour les enlever au carry adverse, et ensuite la vague de creep qui va arriver après le pool devrait venir à cette hauteur là s'écraser sur votre tour. Et ça c'est cool. Est-ce que c'était ça ta question, petit petit crayon? Ça m'a l'air pas mal. Bon, alors, hop, je vais mettre en pause. On va s'intéresser maintenant que vous savez à peu près globalement à quoi est supposé ressembler une partie. Donc un offlaner encore une fois qui souffre. Un mid qui se bat contre le mid adverse, que le meilleur gagne, et qui va tuer des gens en se baladant. Ça veut dire que la personne, quand vous jouez autre part que mid, sur qui vous devez avoir les yeux tout le temps, bah c'est le mid. C'est où est-ce qu'il est? Est-ce que le mid adverse est mid? Ou est-ce que le mid adverse est parti? Est-ce qu'il a pris la rune top? Si moi je suis top, je devrais avoir peur. Est-ce qu'il a pris la rune en bas? Si moi je suis top, je devrais pas avoir peur. Par contre, j'aurais peut-être le dire à mon mec en bas qui va peut-être se faire gank. Et voilà. Ensuite, on a un mec dans les bois qui lui, a priori, se débrouille comme il veut. Il y a plein de façons de jouer différentes dans les bois, il y a des gens qui vont rester pendant 15 minutes dans les bois, il y a des gens qui vont gank partout avec leurs trucs dans les bois, il y a plein de façons de jouer, et il y a même pas mal de games où vous ne verrez personne dans les bois, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ensuite, un support qui s'occupe de protéger son carry, et un carry qui s'occupe de farm. Jusque là, on est bien. On va s'intéresser du coup à la suite, qui est de savoir comment est-ce qu'on peut être sûr que quand on va arriver sur une partie de Dota, on va pas avoir de problème. Moi, j'ai beaucoup joué avec, je vous l'ai dit, donc je suis quelqu'un qui joue depuis très longtemps à Dota. Vous vous en doutez, j'ai pas toujours su jouer à Dota. Donc logiquement, j'ai joué avec des gens qui étaient de mon niveau à l'époque, donc des nullards. Et donc certains de mes amis nullards de l'époque, avec qui j'ai gardé des très bonnes relations, et bah aujourd'hui, j'ai rejoué avec eux. Et ce qui m'a toujours choqué avec ces personnes qui connaissent le jeu, qui savent jouer à Dota 1, qui, je vous le rappelle, est 100 fois plus compliqué à prendre en main que Dota 2. Ces personnes-là, étonnamment, quand elles arrivent sur Dota 2, il y a toujours un problème. Il y a un problème de lag, il y a un problème de FPS, il y a un problème de hotkey, il y a un problème de... Il y a toujours un problème. Il y a des choses qui vont pas, il y a un bug qui marche pas, tout. Il y a toujours quelque chose qui fait que si un ancien ami vient vous proposer de jouer, faut toujours dire non. Ou alors, tu dis, viens, on va faire une coop contre les bots. Parce que c'est toujours comme ça, ça va mal se passer. D'expérience, je vous l'explique. Donc, je vais vous présenter ici rapidement quelque chose qui va s'appliquer donc à toutes les personnes qui veulent recommencer, ou qui veulent commencer tout simplement Dota. Comment être sûr que vous allez bien commencer le jeu. Donc, on va très rapidement passer sur quelque chose de très important, qui est donc l'auto-exec. Hop, voilà, donc ça, c'est un petit .txt. Donc un petit fichier bloc-notes, est-ce que si je déplace le truc, vous ne voyez plus rien? Si je fais ça, vous voyez toujours. Parfait, putain, ça marche trop bien. Donc globalement, c'est une liste de commandes que vous pouvez activer pour qu'elle se lance immédiatement quand on lance le jeu. Alors je vais peut-être vous montrer où est-ce que ça se situe. Hop, alors attendez. Voilà. Si je fais ça... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je répète, ce n'est pas ce que je voulais faire. Comment je vais faire? Ah si, si je fais ça, je pense que ça va marcher. Voilà. Hop. Donc là, vous êtes dans mon Internet Explorer. Mon Explorer tout court, pardon. Donc j'ai réorganisé mon ordinateur, donc il n'y a rien dessus pour l'instant. Donc globalement, vous allez dans Jeu, ou est-ce que vous avez installé Steam? Je m'en fous, vous allez dans Steam. Steam Apps, Common, Dota 2 Beta, Dota 2,
CFG. Et là-dedans, si vous insérez un petit point TXT, donc quand vous faites, vous créez un nouveau. Enfin, vous ouvrez un bloc-notes. Hop, je sais pas si vous voyez ce que je fais ou pas. Tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez mon bloc-notes? Vous voyez pas mon bloc-notes? Bref, vous créez un fichier bloc-notes. Ah si, je peux vous montrer comme ça. Attends, ça vous devrez voir, je pense. Ouais, je peux pas savoir. Hop, un nouveau fichier. Document texte, voilà. Là, vous devez voir, je pense. C'est bien ça? Ouais, c'est bien. Et donc, dans ce nouveau document texte, vous rentrez toutes les commandes que vous voulez et vous le renommez en autoexec.cfg pour que ça devienne un fichier CFG comme celui-ci et non pas un document texte comme celui-ci. C'est-à-dire que si je prends ce truc-là et que si je le rename vidéo.cfg.txt, ça reste un document texte et pas un fichier CFG. Donc ça n'est pas bien. Il faut faire attention à ce petit truc quand vous créez votre auto-exec. À quoi ça va servir l'auto-exec? Ça va servir à rentrer tout un tas de petites commandes qui sont super pratiques. Donc, a priori, vous voyez le mien sur le stream pour le moment. On va juste. Non, vous voyez pas du tout le mien. Si je fais ça, vous voyez le mien. Et on va regarder un peu à quoi ça correspond tout ça. Qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile. Moi, j'ai toujours des questions quand je stream. Donc le délire c'est que je vais vous partager mon auto-exec, comme ça vous pourrez le récupérer directement et garder les commandes que vous voulez. Hop, donc on va aller voir rapidement à quoi ça correspond. Donc la console, con-enable console 1, hop, alors que le game est reparti, ça fait que si j'appuie sur mon petit carré ici, ça m'ouvre la console où je peux rentrer les commandes que je veux, comme je sais pas moi, Dota caméra. Your bottom tower is under attack. Zoom, ah non, distance, hop. Je peux m'amuser à faire comme Lulu, à mettre plein de distance sur ma caméra, ça ne marche pas, étonnamment. Parce que je ne peux pas activer les cheats, ok. Qu'est-ce que je vais vous montrer comme commande qui pourrait marcher direct? Ah bah, je peux vous mettre un petit netgraph, directement, hop. Netgraph 3 si je fais ça, hop, et il faut que je mette... Your middle tower is under attack. Voilà, si je fais ça, vous voyez un gros truc en haut à droite. J'ai déplacé mon netgraph, mais ça c'est une triste histoire. Non, vous voyez pas parce que vous n'êtes pas sur la bonne scène. Mais là, si je fais ça, hop, vous voyez donc le gros netgraph qui s'affiche en haut. Donc il y a plein de petites commandes comme ça qui sont plus ou moins utiles, suivant ce que vous voulez en faire. Hop, je vais revenir sur mon netgraph de base. Voilà. Donc sur les commandes donc il y avait donc ça sert à activer la console qui vous permet de rentrer les commandes. Ah bah si je peux vous montrer une qui est très pratique, qui est la commande qui est disconnect. Hop, voilà, je suis déconnecté de la partie, bravo à moi. Hop, par contre j'ai l'air con parce que je dois recréer une partie, mais ça, c'est une autre histoire. Tac tac tac. Donc, on va profiter que la gamme se lance pour aller voir la suite des autres trucs. Donc, tout ce qui est les commandes qu'il y a en dessous. Comment je peux voir? Voilà, hop, là, vous devez voir ma souris. Si je fais ça, vous voyez ma souris au bon endroit? Non. Si je fais ça, vous voyez ma souris au bon endroit. Donc, toutes ces commandes qu'il y a là sur la gauche, c'est des commandes qui sont utiles pour gérer votre connexion. Moi, je n'y connais rien du tout, c'est quelque chose que j'ai copié sur un joueur qui s'appelle Artesi, qui a beaucoup travaillé tout ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en ai aucune idée, je suis pas encore vraiment penché là-dessus, j'ai pas encore essayé de tout changer pour voir comment ça fonctionnait, donc ça, je vous le recommande pas spécialement. Mais bon, pour ceux qui veulent regarder, je partagerai quand même. Tout ce qui est en dessous, là, ça devient pour le coup beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant. On a d'abord le Dota Disable Rangefinder, ça je vais vous montrer exactement à quoi ça correspond. Maintenant, je vais me prendre mon petit puck. Hop. Ça fait que si je prends ma petite orbe et que je décide d'envoyer mon orbe, là je clique sur mon raccourci, je vais cliquer ici directement, vous voyez j'ai cette petite flèche verte, ce qui fait que si je suis en dehors de la zone, vous voyez on peut apprécier la distance avec la couleur de la flèche. Hop, vous voyez que plus je suis près, plus elle est foncée, plus je suis loin, moins elle est foncée. Donc ça va sans avoir la vue sur son héros de savoir à peu près où est-ce qu'on est, d'apprécier un peu la distance. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui est très pratique. Et donc, bah, pour bien armer les sorts, si vous jouez un Earthshaker pour mettre une bonne fissure, même un Puck ici pour bien envoyer son orbe. Je suis en train de chasser quelqu'un qui fait le tour de cet endroit-là. Je fais oui, là, peut-être là. Oui, ici, le bon endroit. Et voilà, c'est quelque chose qui est utile, je trouve. Alors, si vous voulez le mettre. Ah merde, je n'étais pas sur la bonne scène. Ok, donc c'est la petite flèche, excusez-moi. Qui se trouve 30 seconds to battle. Hop ici
pour vous montrer donc la direction que va prendre mon sort. Donc encore une fois, plus je suis loin, plus donc c'est moins c'est foncé. Plus je suis près, plus c'est foncé. Ça permet, sans avoir la caméra sur mon héros, de savoir plus ou moins où est-ce que je suis. Vous voyez que là, je ne regarde pas du tout la minimap. Je sais où est-ce que je suis, je sais où est mon héros. Donc là, je suis sur une base, donc quelque part, on s'en bat les couilles. Mais quelque part, si je suis là et que j'ai envie d'aller ici, et que j'ai envie de voir un peu... Ah, là, je sais que mon héros est sorti par le bas de la base. Je sais plus ou moins par où est-ce qu'il va. Et je peux savoir à peu près à quelle distance. Ah là voilà, là je vais arriver. Et je fais tout ça sans regarder la minimap. Donc c'est pas forcément utile. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Moi je trouve que c'est utile. C'est quelque chose, surtout quand vous jouez la nuit et que vous êtes fatigué, qui est très très utile. Qui est très reposant en fait. C'est une petite aide. Elle est disponible pour l'instant, donc je trouve que autant en profiter. Ok, on passe à la suite. On passe à la suite. La deuxième, c'est Dota Minimap Hero Size. Donc ça, c'est la taille du héros sur minimap. Vous voyez que là sur la minimap, le point globalement de mon héros est gros. Ça veut dire que... Il faut que je vous mette la bonne scène encore une fois. Hop. Là, et si je suis sur une tour, vous ne voyez pas la tour. Donc, à quoi ça va servir tout ça? Globalement, avoir les héros alliés, non. Parce que les héros alliés, vous les voyez tout le temps. Par contre, ça veut dire que si, ici, là, à cet endroit ici, j'ai un creep, j'ai un héros adverse qui apparaît, je vais immédiatement voir apparaître un gros point. Et pas juste une toute petite croix. Ça va être une croix, ça va être une grosse croix d'ailleurs. Je trouve que c'est pratique quand vous êtes, encore une fois, un peu fatigué, pas forcément très concentré sur la game. Vous voyez immédiatement apparaître les choses. Et si vous n'êtes pas forcément à fond dans votre partie, ça peut être pratique. Alors juste pour vous donner une petite idée. Alors attendez, il faut juste que j'aille retrouver la commande. Minimap. Hero size. Voilà, de base, il me semble, je suis plus sûr, il me semble que c'est 650 de base. Vous voyez la différence là? La taille que fait mon héros sur la minimap. Moi c'est quasiment deux fois plus gros. Alors peut-être que c'est moi, je suis un peu trop gros. Je suis encore en train de me poser la question pour l'instant, puisque j'ai augmenté récemment. Mais voilà, pour vous donner une petite idée, moi je suis à 1100. Donc c'est quand même, ça change beaucoup de choses. L'autre délire, ça fait que si vous avez plein d'héros les uns sur les autres, vous n'allez pas forcément bien voir qui est là, qui n'est pas là. Donc ça, c'est le mauvais point. Mais bon, ça, c'est pas important. Comme moi, les 47 gold. Hop. Ok, on passe à la suite. Merde, c'était pas la bonne scène. Je vais aller voir sur le chat s'il n'y a pas des petites histoires. Il faut que je mette un post-it. Je sais. Hey, j'ai pas stream depuis 3 semaines, 2-3 semaines. Donc. La commande pour reculer la caméra, oui, je l'ai. C'est un Dota Caméra Zoom. Non, c'est pas ça. Caméra distance. Distance zoom. Voilà, non, caméra distance, c'est ça. Donc de base, c'est 1134. A savoir que si je décide de mettre 1600 maintenant, vous avez... voilà, y a une commande qui va me dire vous ne pouvez pas utiliser cette commande. Puisque vous êtes dans une game et les cheats ne sont pas acceptés par le serveur. Donc là, si je décide de faire quelque chose, ça ne changera rien. Par contre, si vous êtes en spectateur et que vous faites cette commande-là, là, ça va marcher, ça va reculer votre caméra. Comme on le faisait à TI3 pendant qu'on castait. Pour ceux qui ont vu ça. Je vous montrerai peut-être juste après sur une watch game. Rapidement. Ok, on passe à la suite. Oh merde, vous avez encore rien vu. Bon, c'est pas grave. Caméra smooth time. Je sais pas ce que c'est, caméra smooth time. C'est le temps que ça m'est reculé plutôt, non? J'ai l'impression. Alors, tout ce qui est en dessous là. Hop, blablabla. Donc, tout ce qui est. Ah, si, tiens, un truc intéressant. Tout, pour les personnes qui ont des problèmes avec les misclicks sur la minimap, ça c'est intéressant pour certaines personnes. Moi, c'est quelque chose que je me suis jamais vraiment rendu compte. Mais voilà, il y a des personnes, quand vous êtes ici et que vous voulez aller vers le bas. Hop, imaginons que. Utilisez donc votre souris pour décaler la caméra et ensuite sur le retour vous vouliez cliquer. Certaines personnes vont oh zut, j'ai cliqué au mauvais endroit et du coup le héros va faire demi-tour. Et donc c'est des commandes qui permettent que si vous faites juste un mini-clic comme ça, votre héros va pas réagir immédiatement et va se poser la question est-ce que c'est un mini-clic ou pas. Alors je ne sais pas du tout comment ça marche. Que je vous explique, c'est théorique, j'en ai aucune idée. Moi j'ai juste encore une fois recopié cette histoire là sans vraiment me poser la question. Je sais que a priori ça peut toujours servir. C'est pour ça que j'ai mis cette caméra là. Est-ce que vous avez vu quelque chose là-dessus? Vous avez encore rien vu, putain. Je disais donc, si je suis ici, et que je décide de back, j'utilise ma souris donc, vous voyez, pour décaler la caméra vers le bas. Comme tout bon joueur le fait.
À savoir que si oui, vous utilisez les flèches pour déplacer votre caméra, c'est peut-être très bien pour vous pour le moment, mais il y a un moment où vous allez vous retrouver coincé. Indeed. Je préfère le préciser parce qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs qui débutent comme ça et qui malheureusement bah, se tirent une balle dans le pied tout seul. Donc, je disais donc, si je décide de faire comme ça, hop, et que. Donc, je vais comme ça. Non, mais c'est vrai, moi je vois pas comment ce qu'on peut faire un misclic. Mais il y a des gens qui font des misclics. Hop, et que sur le retour, imaginons, quand je décale ma souris vers le bas, je décale la caméra et sur le retour. Oh non, j'ai cliqué sur la base adverse. Du coup, mon héros fait demi-tour et va vers la base adverse. C'est des commandes qui vont permettre d'éviter ce genre de truc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Si vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de fois où ça vous arrive, bah faites-le. C'est toujours ça de pris, quoi. C'est toujours ça de pris. Alors, ensuite, pour la suite, blablabla. Ça, c'est très intéressant. Je trouve tout ce qu'il y a sur la suite, là, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, Your 7 top tower commandes suivantes. C'est très is under intéressant. attack. C'est des commandes qui font que quand vous prenez des spells ou quand vous prenez des sorts, si vous avez rien changé Your sur le top jeu, tower is under quand vous prenez un attack. stun, par exemple, votre écran, il va clignoter. Enfin, il va clignoter, il va rebondir, en quelque sorte. Il y a une sorte de petit effet 3D, la caméra va faire des allers-retours. Et lorsque vous êtes attaqué, vous avez du rouge qui va se mettre sur les côtés. Pour vous dire attention, ton héros est attaqué. Alors pour les débutants, je trouve que c'est bien d'avoir ce petit truc, ton héros est attaqué, ton héros du coup la caméra passe un peu en rouge. Par contre, tout ce qui est l'écran qui clignote, je trouve que c'est pas des choses qui vont vous aider vraiment à être bien pour vos performances en jeu. Ça peut vous déranger dans un teamfight alors que non, vous savez que vous êtes attaqué, il y a un teamfight, oui bah oui je prends des dégâts, il y a un ulti juste à côté, évidemment que je suis Your stun, middle je le sais, tower is mais j'ai under besoin de pouvoir attack. rester lucide et savoir me préparer à ce qui va arriver juste après. Donc je trouve que ces caméras sont enfin ces caméras, ces commandes pardon sont super utiles. Celles-là moi je les conseille. Encore une fois, tout ça je le partagerai sur le. Je mettrai le tout l'auto-exec en sur la VOD YouTube en description, comme ça vous pourrez tout récupérer. Blablabla. Ensuite, on a le Dota Force Right Click Attack 1. Ça, c'est très intéressant. Moi, Absolutely. c'est la commande, je trouve, que j'utilise le plus. Je vais vous montrer globalement à quoi ça ressemble. Cette fois-ci, en changeant la scène. I Voilà, ça fait perceive. que globalement, si j'ai envie de deny mon creep, bah, vous voyez, je suis ici. Normalement, ce que je devrais faire, c'est faire attaquer et ensuite cliquer sur mon creep. After them. Là, il est full HP, donc mon héros refuse. Prendre ce héros-là qui est low HP. Voilà, Stay and là il amuse me. accepte. Si je n'ai pas cette commande activée, bah je peux le faire d'ailleurs. J'ai désactivé Dota, Force, Right Click Attack. Hop, je vais mettre ça à 0. Very well. Et donc là, si je décide d'attaquer, vous voyez ce creep là, mon héros, ce qu'il va faire, c'est juste le suivre en fait. Bah, Just mais so. je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et donc, du coup, pour le deny, je dois bien faire. Bah, regarde celui-là qui est I deniable. go Oh, at ça ne will. marche pas. Il faut que je fasse attaquer et que je fasse ça. I venture forth. Alors c'est pas forcément un problème pour certaines personnes. Moi ça me dérange énormément de Less devoir bouger la main pour ce genre de choses. Je préfère être My vraiment turn. la main prête à une éventuelle fight ou autre chose. Donc je déteste vraiment Commendable ce genre de notion. mécanisme. Et c'est là en fait que cette commande est super utile. Merde. Hop. C'est que si je la passe à 1, pour An deny mon creep, j'ai plus qu'à alacrity. faire clic droit dessus. Vous voyez là mon héros il essaye d'attaquer ce creep là mais. Ah non j'ai pas le droit. Ah celui-là je peux l'attaquer. Et du coup je peux deny mes creeps. Et je peux faire ça en Indeed. ayant la main beaucoup plus libre. Donc ça c'est une commande I proceed. que je recommande beaucoup. Je trouve très très intéressante. Hop, on passe à la suivante. Encore une fois tout ça c'est optionnel hein. Moi je trouve que c'est des trucs qui aident vraiment. Maintenant, est-ce que vous voulez le faire, est-ce que vous voulez pas le faire? Ça vous doit, mais je préfère quand même vous le partager. C'est quelque chose qui peut vous servir. Enfin, bind H, voilà, ça c'est une petite commande que j'ai récupérée, que j'utilise pas, que j'ai mis en place il y a quoi, il y a une semaine, donc je me suis pas encore vraiment habitué. Globalement, ça fait que si j'appuie sur la touche H, ça m'emmène la caméra sur la ruine top. Peut-être que H n'est pas la bonne touche, c'est pour ça que je m'en sers pas. Très pratique pour check les runes, c'est-à-dire que si vous en avez deux, vous Exactly pouvez check en haut, en bas, moi j'ai bind que la rune top pour l'instant. Faut so. encore que je Fair game. réfléchisse un peu comment on va me servir de tout ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être utile. Donc ça, je vous le partagerai aussi. Ensuite, on arrive au Netgraph. Donc le Netgraph, est-ce que vous avez vraiment vu? Mais vous avez rien vu, putain. Hey, il faut vraiment que je me force à vous faire ça. Absolutely. Donc je disais, si j'appuie sur la touche H, hop, vous voyez. Vous voyez ce qui se passe My là. move. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vous partagerai. Pour ce qui est la suite, Netgraph très très important. Pour moi, c'est
le plus important de la console, c'est Netgraph. À quoi ça va servir? Alors attendez, il faut juste que je le déplace par contre mon Netgraph parce que là vous ne le voyez pas. Hop, 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 hop. Voilà. Si je fais ça, là vous allez le voir, parfait. Voilà. Là vous voyez que la droite, il faut que je déplace peut-être un peu vers la gauche. Non, on va mettre left. Left, on va mettre 100. Non, là il est sorti de l'écran. Zut. Hop, on va mettre right et on va mettre 200. Ça marche, voilà. Donc là, vous avez le Netgraph en plein écran. C'est bon, vous voyez tout. Donc, à quoi ça va servir le Netgraph? Ça sert à voir surtout ces deux infos-là, super importantes, les FPS, c'est-à-dire le nombre de frames par seconde que vous avez sur votre jeu, ce qui peut varier entre 0 et 120, a priori. Je crois que personne ne peut dépasser 120 sur Dota 2. À savoir que dès que vous êtes au-dessus de 60, c'est bien. Quand vous commencez à tomber en dessous de ces 60, c'est pas terrible. Et si vous tombez en dessous de 30, c'est pas bien. Votre jeu n'est plus fluide. Et le ping, ça c'est donc le temps de réaction que vous avez avec le serveur. Globalement, il faut toujours être en dessous de 100 ms. Et ça vous permet de savoir si vous avez un problème, d'où vient le problème. Je veux dire, là, mon héros ne répond plus. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je lag. Je lag, les amis. D'où vient le problème? Et bah, c'est très simple. Si j'ai des FPS qui montent, ça veut dire que c'est mon PC qui ne suit pas. Et donc, il faut que je ferme des programmes. Que je change de carte graphique si j'ai une carte graphique pourrie. Bref, il faut que je regarde un peu tout ça. Qu'est-ce qui fait ramer mon PC? Mais c'était pas ma connexion qui fait planter le truc. Ma connexion tient le coup, puisque j'ai un ping décent. Par contre, si mes FPS sont bons et que mon ping n'est pas bon, ça veut dire que mon PC tient le coup, mais que ma connexion ne tient pas le coup. Parce que soit j'ai une connexion de merde, soit mon chat a rongé les fils de mon câble Ethernet, soit parce que mon petit frère est en train de télécharger dans la chambre à côté. Bref, il y a un problème sur votre connexion à ce moment-là. Et donc, il faut que vous cherchiez de ce côté-là. C'est très très pratique quand vous avez un problème pour savoir, bah, finalement, d'où ça vient. Hop, et enfin, les dernières commandes que vous avez, qui sont pas importantes du tout. Il faut que j'arrive à retourner sur XSplit, voilà. Qui sont donc ici, c'est les trois commandes que j'ai pour passer le jeu en mode daltonien. Là. Si vous passez en mode daltonien, il faut faire ça. Hein. Bon, est-ce que c'est utile ou pas? Nous, il y a une personne qui nous a demandé très gentiment de le faire, donc moi je le fais. Ça me fait marrer d'avoir le jeu en bleu et rouge, de l'avoir en vert et rouge. Mais bon, voilà, ça c'est pas très important pour le coup. Ce qu'on va voir aussi qui est très important, c'est juste très rapidement les. J'ai perdu la connexion à Steam, ça c'est embêtant. Ça c'est embêtant. Mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. C'est. Mais je peux pas quitter la partie. C'est donc toutes les options que vous allez avoir là-dedans. Ce qu'il faut que vous ayez. Très très important de bind. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Vous êtes sur la bonne scène, vous êtes sur la bonne scène. C'est bon. C'est il faut que vous ayez une touche attaquée. À quoi va servir votre touche attaquée? Elle va vous servir dans plein de situations, que ce soit pour deny. On a parlé tout à l'heure, vous pouvez éviter pour deny. Pour perdre l'aggro des tours. Quand vous êtes attaqué par une tour, pour perdre l'aggro, il faut attaquer une unité alliée. Donc spammer A plus clic sur une unité alliée. Avoir le A dans ce cas-là est très pratique. Sachant que le right-click deny, vous pouvez ne pas le faire. Enfin, la commande que je vous ai montrée tout à l'heure, ça ne marche pas sur les tours. Et il me semble que ça marche pas sur les héros, mais je suis pas sûr pour les héros. En tout cas, ça marche pas sur les tours, c'est sûr. Donc, c'est important d'avoir une touche attaquée. C'est obligatoire d'avoir une touche attaquée. Ah, tiens, je suis de reconnecter. Non, je suis pas reconnecté. Bon, j'en sais rien, on s'en fout. C'est capital. Avoir une touche move, c'est très important. Pourquoi? Ça va servir quand vous avez une unité. Pas votre héros qui veut suivre quelqu'un d'autre. Enfin, si, ça peut servir avec le héros, mais c'est rare. Si vous voulez suivre quelqu'un, par exemple avec les loups du Lican qui sont invisibles, vous voulez suivre quelqu'un pour avoir la vision dessus. Vous prenez votre loup, vous mettez move sur une unité adverse, et hop, elle va la suivre en invisible et vous donner la vision. Très utile aussi avec des illusions pour faire tanker Roshan. Les illusions, si elles attaquent Roshan, elles sont dispelles immédiatement. Donc le moyen de faire Roshan avec des illusions, c'est de prendre vos illusions, de leur dire déplacez-vous vers Roshan sans attaquer. Elles vont aller vers Roshan, elles vont se coller à lui. Elles vont pas l'attaquer. Donc très important d'avoir cette touche-là. Avoir une touche top ou une touche sole position. Les deux globalement font la même chose. C'est-à-dire que si je suis. Est-ce que je peux me reconnecter? Si je suis en train de faire une action, par exemple mon héros est en train de faire une attaque. Je suis en train de lancer un sort. C'est-à-dire que c'est pendant l'animation. Et que j'appuie soit sur stop, soit sur le position, ça va annuler l'animation. Ça, c'est
capitale dans Dota. Vous avez un stun Lina par exemple, ça prend quoi? Ça prend 1 seconde et des brouettes à se lancer. Le héros adverse il va bouger. Il y a un moment où vous pouvez vous rendre compte que vous avez loupé votre stun. Très bien. Appuyez sur Hold Position et arrêtez votre animation. C'est capital de faire ça. Si vous voulez arriver à jouer à un niveau décent, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous ayez ce genre de truc et que vous vous habituez à jouer avec l'animation cancel. Ce que je faisais, si vous avez vu un peu tard quand je faisais mes Last Hit ou mes Deny, j'ordonne à mon héros d'attaquer l'unité que je veux tuer et je vais le faire arrêter son attaque jusqu'au moment où la personne, enfin où la cible est tuable en un coup. Donc j'annule l'animation à chaque fois avec Hold Position, Hold Position, Hold Position, et je lâche l'attaque au moment où ça va, où je veux que ça parte. C'est très utile pour Last Hit donc, c'est très utile pour gérer des sorts quand vous avez un Black Hole, vous blink, Black Hole, et non les mecs sont partis. Qu'est-ce que vous faites? Si vous n'avez pas de touche Hold Position, votre héros va lancer le Black Hole et vous aurez l'air con. Alors après ça implique que vous ayez quand même des réflexes, mais c'est quelque chose qui est vraiment vraiment important. Selectero, on s'en fout, sauf si vous appuyez deux fois sur Selectero, ça va vous mettre la caméra dessus. Ça c'est bon à savoir. Selectolozer Unit très utile pour faire pour gérer la micro, moi c'est ce que j'utilise, d'autres personnes utilisent les groupes de contrôle, à vous de voir. Un truc pour sélectionner le courrier, ça c'est très important, de prendre l'habitude de s'en servir, ça vous fait gagner beaucoup de temps, encore une fois, double clic sur Select Courrier, ça vous ramène sur le courrier, double clic sur votre héros, ça vous ramène sur votre héros. Tout ce qui est la suite, pas très très important, si, ça c'est important, tab, si vous avez 3 unités dans un groupe, que vous appuyez sur Tab, ça va vous faire passer du premier au deuxième, au troisième. Très utile avec un Lone Druid, très utile avec. Non, avec un Lone Druid, c'est pas très utile. Si, si, quoique. Très utile avec un Meepo, très utile avec une Enchantress ou un chêne. Bref, très utile du coup. Voilà, pour ce qui est des habilités, vous prenez ce que vous voulez, c'est important que tout soit bind. Vous avez peut-être vu tout à l'heure avec mon Puck, quand je lançais mon orbe, je pouvais me téléporter sur l'orbe en utilisant les habilités 4 et 5. Mais je vais vous montrer, ça va être beaucoup plus parlant, je pense. Hop. Enable cheat, c'est bon. Je vais prendre un petit invoker et on va aller voir à quoi ça correspond tout ça. C'est vraiment des choses qui vous paraissent, je pense, pour certains basiques et pour d'autres, peut-être, pourquoi ils parlent de ça? Est-ce que c'est vraiment utile tout ça? Oui, c'est genre vraiment capital. Je sais que ça paraît bête, mais c'est vraiment capital. Blablabla, on va cacher ce netgraph. Voilà. Hop, on va vous prendre un petit invoqueur. Allez, petit héros. Voilà. Voilà. Et on va. Très rapidement, on va voir à quoi ça correspond. Hop. Donc, à quel sort je pourrais vous montrer? Le cancer animation, je trouve qu'elles sont toutes instantes. Bref, vous voyez que là j'ai 1, 2, 3 sorts mon ulti, et ensuite j'ai mes habilités 4 et 5 qui rentrent en jeu ici, qui sont très importantes. Puisque sans elles, je pourrais pas utiliser ces deux sorts. Avec Puck, vous avez que celui-là qui rentre en compte. Avec Morph, vous avez les deux par exemple. Il y a plein de héros qui ont des petites habilités ici qui sont très très importantes à avoir. Moi personnellement j'ai Z2RT pour mes sorts et les deux juste en dessous, S et F. Juste en dessous, avec D pour tenir position. Maintenant ça c'est à vous de voir, il n'y a pas de bon et de mauvais trucs, vous faites ce que vous voulez sur les. Est-ce que je peux vous montrer des animations? Oui, je vais vous faire un petit start game. Hop. Dagger of the Mind. Voilà. Thus and so. Ah, vous voyez là, j'ai envie d'attaquer ce creep et. Trop rapide. Vous voyez comment là, mon héros. Il faut qu'il arrive à. Je passe une boule de feu. À lancer l'attaque. Vous voyez, il lance l'attaque. Hop. Si j'arrête à temps, il s'arrête. Et ça, c'est pareil avec les sorts donc. Même si là, je pense que les sorts d'invoqueur se lancent quasiment instantanément. Ouais, mais ça veut dire que par exemple, là, si je suis en train d'aller dans cette direction et j'ai envie de lancer une météore derrière moi. Oh! C'est coupé. Je suis en train d'aller dans une direction, j'ai envie de lancer une météore derrière moi. Très, trop rapide. Hop, vous voyez, il se retourne et je peux lui dire de l'arrêter. Alors c'est très rapide avec l'invoqueur, je pense que c'est un mauvais exemple. Quel héros je pourrais vous montrer avec lequel c'est assez flagrant, j'ai créé un énigma. Enigma. Voilà, hop. A new location.
Ah, puis là j'ai envie de lancer mon black hole. Non, c'est une mauvaise idée en fait. Et je vais aussi le montrer pendant l'animation. Allez, lève les bras pour faire le black hole. Non, c'est une mauvaise idée. Ça veut dire que si vous avez des bons réflexes et que vous êtes bien dans votre game et que votre touche tenir position est à portée, vous pouvez vraiment bah, beaucoup mieux tamer vos sorts et vous adapter à la situation quoi. Ah, bah, s'il vous plaît. Bref, j'espère que vous avez compris l'idée. Hop, on passe à la suite. Blablabla, tout ça j'en ai parlé. Habilité, blablabla. Avoir une touche learn, très important. Enfin, moi je trouve que c'est capital depuis que j'ai cette touche. Je vais deux fois plus vite. Quand vous prenez un level, plus besoin d'aller sur level up, prendre le stun. Faites Q, Z, hop, c'est bon, j'ai pris mon stun. Deux fois plus rapide. Ça vous facilite la vie et c'est beaucoup plus rapide. C'est vraiment tout l'idée de ce que je suis en train de vous expliquer là-dedans. C'est que vous pouvez faire tout deux fois plus vite. Et si vous, moins vous prendrez la tête sur ce genre de petits détails, plus vous serez rapide, plus vous serez fort dans votre jeu. Parce que vous ne serez pas ennuyé par des petits détails. Les items, tous les items d'inventaire doivent être pris. Si possible, le plus proche possible. Faut que vous ayez un truc de shop. Alors, j'ai pas de quick buy. Je devrais avoir un quick buy. C'est que le quick buy, si avec mon inventaire j'ai envie d'acheter des boots of travel, je peux les mettre ici. Et donc, dès que j'ai assez d'argent pour me les acheter, il va les mettre. Là, j'ai assez d'argent. Donc, vous voyez, il les entoure d'un petit halo pour vous dire c'est bon, tu as assez d'argent. Et vous avez ce petit bruit là. Chikling. Qui dit c'est bon, tu as assez d'argent. Très important, je pense, d'avoir ce genre de truc. Très utile pour la bottle, au mine, ce genre de truc. Et donc là, si je fais clic droit dessus, ça va être immédiatement acheter les items. Et donc, vous pouvez avoir un bindé, une touche pour pouvoir acheter directement vos items qui sont ici. Bon, je ne l'ai pas, je ne vous montrerai pas. Mais vous avez compris le principe. Ok, ensuite. On était aux items. Ça, on s'en fout. Player, on s'en fout. Sauf que il faut jouer avec la souris pour déplacer votre caméra. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est tellement important. Vous pouvez pas avoir votre main qui déplace la flèche, qui déplace les flèches et qui se balade. Sauf si vous mettez tous vos sorts à droite à côté des flèches. Mais moi qui ai mes sorts sur ZERT, je peux pas avoir la main qui va déplacer avec les flèches et revenir à gauche. C'est pas possible. Il faut vous habituer à donner des petits coups de souris pour déplacer votre caméra. C'est super important. Et à savoir gérer sa caméra, c'est ce qui fait la différence entre un joueur moyen et un joueur qui commence à devenir bon. Surtout dans ce qui est teamfight, à savoir avoir bien des bonnes infos, c'est super, super compliqué au début. Blablabla, pas avoir un scoreboard, évidemment que c'est important. Activer la glyphe, moi je le miscliquais tout le temps, donc je l'ai enlevé, ça peut être utile. Metagame, donc la console, ce que je parlais tout à l'heure. Moi c'est mon petit carré, hop, ça me permet de faire ça. Trop cool, pratique. Avoir une pause, super important d'avoir une pause, faut pas demander à vos amis, vous pouvez mettre en pause s'il vous plaît parce que j'ai besoin d'aller faire pipi. Non, vous mettez en pause, vous dire need une seconde, j'allais faire pipi. Hop, ça on s'en bat les couilles, c'est tout ce qui est spectateur. Et le chat, oh la chat wheel, super important, je vous en ai pas parlé. C'est ça. Donc vous pouvez un peu la customiser comme vous voulez. C'est-à-dire que si je vais ici, blablabla, vous voyez j'ai choisi un peu ce que je voulais dire. Non, c'est la phrase. Voilà, j'ai choisi ce que je voulais dire. Donc vous voyez que j'ai dit, quand vous êtes mid, bah, il faut dire le missing du mec mid, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le mec mid qui bouge est très important. Quand il revient, hop, vous avez un petit return. S'il a pris la rune, vous savez pas où il est parti, vous savez qu'il a pris la rune, Enemy's rune, missing Enemy's rune, c'est bon, vous avez tout bien. Le petit thanks, well played qui font plaisir, le get back, très important. Et le wind detection pour faire chier. Bref, vous pouvez changer à peu près ce que vous voulez, si j'ai envie de changer ici. Speed out and fight, attack now. Et il faut bien voir que si vous êtes le jeu en français, toutes les phrases sont traduites en français, et elles sont traduites immédiatement dans la langue de la personne qui joue avec vous. C'est-à-dire que si moi, j'ai le jeu en anglais, et vous jouez avec moi, vous avez le jeu en français, et que je mets un Winnie Detection sur votre écran, ce qui va apparaître, ça va pas être un Winnie Detection, comme sur le mien, vous allez apparaître quelque chose qui va vous dire « Nous avons besoin de détection ». Hein, ça c'est super important. Très pratique quand vous jouez avec des Russes, eux ça leur fait apparaître le message en russe. Et ils sont trop contents parce qu'ils comprennent rien aux Anglais les Russes. Ah l'anglais pardon. Et là, bah, ils comprennent tout. Bref, vous pouvez tout changer, c'est cool. Ensuite, game auto-attack off, super important. Il y a encore énormément de bons joueurs qui jouent sans et honnêtement je ne comprends pas pourquoi. Parce que ça fait que... Hop, je suis caché ici, c'est un mauvais exemple, je suis caché ici. Et j'ai envie d'attendre que le mec arrive. Là je touche à rien, là j'ai les mains, je suis en train de me curer le nez en ce moment. Vous le savez pas, mais moi je suis en train de me curer le nez avec les deux mains. Et mon héros il fait rien. Alors que si j'avais l'auto-attack on, est-ce que je peux vous montrer ça rapidement? Hop, auto-attack on. Et que je suis caché ici. Mon héros il attaque. Merde, je peux plus me curer le nez. Ça c'est con. Ça c'est super con. On a vu des... Mais je crois qu'on a même vu ça dans un move à TI3. C'est-à-dire le top du top du top du niveau. Il y a des mecs qui sont fait pigeon là-dessus quoi.
Ça leur fait rater un... Ça leur fait louper un gank. Merde, c'est complètement débile. Auto-recharge item, c'est une mauvaise idée. Auto-select summon unit, c'est une mauvaise idée aussi. Pour votre micro, c'est mauvais. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, c'est important. Share match history, je vais vous montrer rapidement pourquoi. Blablabla. Oui, Jarel, tout sera dispo sur VOD. C'est le point de ce stream. C'est que je vous fais un gros topo une fois et ensuite on en revient plus dessus. Si les gens posent la question, je vous envoie sur YouTube. C'est le délire. Alors, hop. Donc, est-ce que vous pouvez voir si je fais ça? Non, ça non, ça marchera pas. Ça non, ça non, ça non, ça peut-être. Si je fais ça, voilà. Là, vous voyez, c'est bien. Donc il y a un petit site qui s'appelle dotalove.com qui vous permet de récupérer toutes vos statistiques très facilement. Vous pouvez voir là, donc moi je suis login avec Hugo, vous pouvez voir donc votre pourcentage de win, votre nombre de victoires, le dernier match que vous avez joué, tout ça c'est pas très important. Ce qui est important c'est tout ce genre de truc. Vous pouvez classer vos héros favoris. Voir, oh là là, je suis trop fort avec Windrunner, j'ai 55,73% de win. Par contre je suis nul à chier avec Puck puisque j'ai 46. Bref, c'est pas important. Ce qui est cool, ça permet de voir globalement votre évolution. Genre là. Hop. Je peux voir mes derniers matchs. Et dire, ah ouais, je suis pas super bien, je ne dépasse pas les... Enfin si, je suis un peu au-dessus des 50% de win, il faut que je fasse mieux. Par contre, je suis nul à chier avec Bounty Hunter, puisque j'ai une, deux, trois défaites sur mes quelques matchs. Donc il faut que je progresse avec Bounty Hunter. C'est super pratique ce site. Totalbuff.com. Super pratique. Il y a absolument tout dessus. Vous pouvez check du coup si vous venez de faire une game. Voilà, je viens de jouer avec Naga Siren. Et dans ma dernière game, putain, je me suis rendu compte que Audi avec la Crystal Maiden, il était nul à chier, putain. Et oh putain, c'était Maël Karashkit avec son Bounty. Oh, il était nul à chier. Mais c'est pas important. Je viens de jouer avec Audi, il était nul à chier. Et là, je peux voir que Audi. Ah, mais Audi, il a que 3000 matchs, c'est pour ça, c'est un débutant. Ah, ça explique tout. Voilà, vous pouvez voir plein de trucs super sympas. C'est cool, c'est super cool ce truc. Et pour ça, il faut que vous ayez activé votre. Le partage des infos sur Dota directement. Donc je vous rappelle, hop, c'est blablabla, game, c'est là, share match history on. Ça permet aussi que, du coup, si je vais par exemple ici, que j'ai envie de voir le profil de Bibi, je peux voir son nombre de victoires et ses dernières games jouées. Il faudrait que j'aille dans un truc un peu débile, genre lui je pense qu'il l'a pas fait, si il l'a fait, tout le monde l'a fait. Les gens qui ont mis non, en fait, vous verrez pas leur nombre de wins et vous verrez pas leur, vous verrez que ça en fait. Le featured hero, le featured item, les most successful hero, et c'est tout. Vous verrez pas le level, vous verrez pas le les victoires, vous verrez pas tout ça. Bon, ça c'est pas hyper important. Si vous restez anonyme, mettez off. Mais moi je vous conseille quand même de mettre on. Bon, attendez, j'ai des petits bruits des creeps là depuis tout à l'heure. Ils me prennent un peu la tête. Voilà. Ensuite, on continue, où est-ce qu'on en était? Game, blablabla, ça c'était bon. Double craft, ça c'est super important. Ça c'est super important. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de trucs qui se font en double tapping. Si je prends un force staff et que j'ai envie de me force staff moi-même, plutôt que de faire espace, je clique sur mon héros. Sachant que s'il y a une grosse bataille, où est-ce qu'il est mon héros? Non, je suis mort. C'est con. Vous êtes là, vous êtes en train de courir, je suis poursuivi, je double tape mon espace et hop, ça me force staff en avant. C'est cool. C'est cool. C'est génial avec des héros comme Omni, par exemple, pouvez-vous heal vous-même. Double truc, votre... vous double, faites deux fois le sort. Et puis ça le fait sur vous. C'est parfait. Bref. Ça marche aussi. Il y a des petits pièges quand même. Hein. Si je fais deux fois dagger, ça va me faire directement vers la base. Faites deux fois dagger, ça vous ramène tout de suite vers la base. Ce qui peut être embêtant. Mais globalement, si vous maîtrisez cette option, c'est génial. C'est juste absolument génial. Donc faites-le. Blablabla. Ensuite, où est-ce qu'on en est? Bah, pour les salves aussi, mais oui. Mais putain, c'est tellement le plus important. Je suis poursuivi par trois mecs. Oh, je suis dans la merde. Il faut que j'utilise ma salve. Bah, plutôt que de te faire je clique sur moi, je double-clique sur ma salve, elle se met automatiquement. Voilà. Encore un autre moyen de gagner encore un peu de temps. Hop, et Unified Control, ça je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne marchait pas comme ça sur Warcraft 3, donc je n'utilise pas cette chose-là. Interface, caméra speed, caméra accélération, ça il faut que vous soyez à l'aise quand vous déplacez votre caméra. À savoir que si je décide de mettre ma caméra accélération à fond, hop,
Voilà. Vous voyez, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il n'y a pas ce côté ralenti sur la fin. C'est immédiat. Je trouve ça très désagréable. Beaucoup trop saccadé, je trouve. Donc voilà, moi, je le mets à ce moment-là. Mais encore une fois, tout le monde a des ratios différents pour ça. Moi, c'est mes options, mais c'est tout. Et caméra speed, si vous mettez trop rapide... Oh, où est-ce que je suis? Putain, ça va trop vite. À vous de trouver la bonne. Mais c'est important de passer du temps là-dessus pour trouver votre... Enfin, le truc qui vous va, quoi. Vous ne soyez pas gêné en game. Parce qu'on parlait tout à l'heure, déplacer la caméra avec la souris, c'est compliqué pour un débutant. Mais c'est en réglant bien ces deux valeurs que ça va vous paraître naturel, agréable. Excusez-moi. Je sais pas vraiment ce que ça fait. Edgepan. Qu'est-ce que ça fait, Edgepan? Ça fait que votre souris peut pas sortir de votre du jeu. C'est important si vous êtes dans une résolution un peu bizarre. Midmap icon instead of names. On, oui, parce que ça c'est quand j'appuie sur Alt. Vous voyez là sur la minimap, j'ai des ronds. Si j'appuie sur Alt, ça montre les portraits des héros. Vous voyez là, il y a un Enigma ici, et là il y a un Invoker. Si je décide de faire hop, hop, si je fais ça, il va y avoir marqué Invoker Enigma. Moi j'aime pas du tout le fait qu'il y ait marqué. Maintenant il y a des pro gamers qui jouent comme ça. À vous de voir, à vous. Pas hyper important, je pense. L'important, c'est que vous soyez à l'aise, encore une fois. Instead of name, blablabla. Donc là, vous pouvez mettre toujours on, pour que ce soit toujours comme quand j'ai alt. Voilà, ça c'est alt dont je vous parlais. Show HP bar number, évidemment. Évidemment, screen check, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce que j'ai mis dans la console. Ça se relie à ça. Player names off, on s'en fout. Blablabla, ça c'est pas très important. Move camera on respawn, non. Je sais pas. Ça fait que quand vous mourrez. Attends, je vais me suicider. Comment je vais faire pour me suicider? Ça va être compliqué de mourir, faut que j'aille à la fontaine adverse. Hop! Là, je vais mourir. Donc là, ma caméra ne bouge pas, je suis mort pour 90 minutes et 90 secondes. Et si j'hésite de buyback, vous voyez, la caméra revient immédiatement sur mon héros. Donc si je suis ici, en train de fight, que je meurs, et qu'il y a un mec qui s'en va à 2 HP, et là je le suis, pour Sunstrike. Est-ce qu'il est là? Je ne sais pas, où est-ce qu'il est? Et au moment où je sais qu'il va être là. Oh non, ça ramène la caméra au départ. Putain, ça fait chier. Ça fait chier, mais moi j'aime bien le garder parce que ça vous rappelle quand vous êtes en vie. Il y a un truc qui fait quand vous êtes en vie, ah, la caméra a bougé, c'est bon, je suis de retour. Bon, c'est personnel. À vous de voir ce que vous préférez. Mais je pense que c'est important de prendre le temps aussi de réfléchir à ce qu'on a envie. Smooth Graphics Spectate, ça c'est pas important puisqu'on n'est pas en Spectate, c'est un truc de caster. Que tout le monde n'a pas d'ailleurs, Luciano ne l'a pas par exemple, ça on s'en fout, Brasque en stat, on s'en fout. Network, qualité high, qualité low, si vous avez une mauvaise connexion et que ça lag pour vous pendant les teamfights, mettez low. Si vous avez une bonne connexion et que ça ne lag pas pour vous pendant les teamfights, mettez high. Ça, si vous mettez en low, ça va réduire le nombre d'infos que Dota 2 va vous envoyer pendant les teamfights. Ça peut être important pour certains, comme pas important du tout pour d'autres. Moi je le mets puisque je stream, que quand je stream, ma connexion bouffe, mon PC souffre, et donc vous verrez que dans les options vidéo avancées, j'ai tout mis en off pour vous. Pour que vous ayez un stream où vous voyez ce qui se passe et pour que moi je puisse avoir une VOD et que je puisse jouer dans des conditions décentes. Donc off, low, bref, ça vous mettez comme vous voulez. A savoir que si vraiment le jeu est bien pour vous, mais ça lag juste un tout petit peu, vous avez juste à enlever l'anti-aliasing là. L'anti-aliasing c'est un truc qui va pas mal bouffer. Si vous voulez enlever juste une seule option, enlevez l'anti-aliasing. Et l'autre chose c'est la V-Sync. Je sais pas exactement à quoi ça correspond, je pense que des gens qui s'y connaissent bien en termes de cartes graphiques, etc. pourront vous expliquer. Mais c'est recommandé de mettre en off si votre PC souffre un peu, c'est ce que j'ai compris, donc moi je l'ai mis en off. Très important, cette histoire-là, aspect ratio, résolution, display mode. Vous mettez, il faut, c'est juste capital, que vous mettiez votre... Alors je sais pas si comment ça a évolué depuis, au début de la bêta c'était capital, maintenant je sais pas si c'est vraiment toujours le cas. Il faut que vous mettiez le jeu avec la même résolution que sur votre bureau, et vous passiez en borderless window. Borderless window ça veut dire fenêtre sans contour. Donc là ça veut dire que là je suis en mode fenêtré. Si je baisse la résolution, non vous verrez pas, ça va bugger tout le stream je pense. Mais si je suis en fenêtré, et sauf que j'ai la même résolution que mon bureau, donc je ne me rends pas compte que je suis en fenêtré, et ça rend du coup le alt-tab beaucoup plus rapide. Ça c'est, je pense, super important. Pour certains. Ah oui, c'est ça, la synchro verticale, ça te synchronise avec ton écran, je crois, une histoire comme ça. Oui mon petit os, pour ce qui est de changer la couleur des barres de vie, je mettrai tout sur dans la VOD YouTube. Ce sera sur
Ce sera en description de la VOD YouTube. Je mettrai un petit post avec tout qui explique. Comme ça, vous pourrez tout retrouver, ce sera très facile. Et pour ce qui est de la synchro, non, ça synchronise en fait avec ton écran, si je dis pas de bêtises. Et si ton écran peut dépasser les 60 FPS, dans ce cas-là, ouais, c'est une histoire de Hertz, voilà, c'est ce que dit Névrose. Si ton écran n'est pas en 60 Hertz, tu peux déplacer les 60 FPS. Bref. Stop le 16/10, go, une vraie résolution. Oui, c'est prévu, dès qu'on a reçu l'argent de TI3, je m'achète un nouvel écran et je passe en dual screen avec un écran en 16/9 pour vous. Pour que vous soyez plus à l'aise sur le stream, soit plus joli. Bref, on a presque fini avec cette histoire-là, on va bientôt pouvoir aller jouer. Pour ce qui est des volumes, ici, est-ce qu'il y a quelque chose d'important? Son de la table, ça je pense que c'est très très important. Ça permet, quand vous tapez, pour aller faire autre chose pendant que vous êtes mort, par exemple, vous êtes mort 90 secondes, vous allez à la table pour faire autre chose, que votre héros revit, vous avoir la musique. Je suis en vie, je suis un invoqueur, je veux me faire la bagarre. Vous aurez le bruit pour ça. Ça c'est cool, ça c'est génial. Et ça permet aussi, il me semble, que si vous avez tab et que vous êtes en find match et que ça trouve une game, le gros bruit, et ben vous l'avez quand vous avez le tab. Ça c'est génial, très important. Voilà, est-ce qu'on a fait le tour? On a fait le tour, je crois, de l'essentiel. Puisque je vous ai expliqué à quoi ressemblait le jeu, comment bien vous mettre dans la game, il me semble qu'on a fait le tour. Du coup, on va juste faire une légère coupure pub, le temps que j'ai cherché à boire, que je remette, qu'on ait une VOD propre aussi, comme ça, ça me permettra d'arrêter la VOD maintenant. Et on va partir un peu en matchmaking, je vais essayer de commenter un maximum ce que je fais. Si vous avez des questions, je suis hop sur le channel millennium.tv.dota, que vous avez donc soit en web chat si vous êtes sur Millennium, soit sur IRC si vous êtes sur IRC. Vous m'envoyez un petit PM, un petit query, donc je vais mettre un petit message sur le chat, hop, c'est moi. J'ai fait une faute d'orthographe, je n'ai pas mis d'apostrophe. Mais c'est pas grave. Vous pouvez m'envoyer un petit message, poser vos questions, à savoir que j'y répondrai probablement pas pendant la game, mais j'y répondrai peut-être après la game. Je vais essayer de vous expliquer un peu ma démarche pendant la partie, qu'est-ce que je fais, pourquoi je prends tel héros, qu'est-ce que je vais faire avec. Et on va essayer juste de voir... de voir comment ça va se passer. Ça vous va? J'espère que ça vous va. Je mets une petite page de pub, on se retrouve juste après donc pour la suite.